tout vêtement produit par Sioun subit avant expédition un contrôle qualité. Si en amont, un premier contrôle se fait pour vérifier la conformité des matières utilisées, je vais vous expliquer à quoi sert le contrôle qualité après production. Le contrôle qualité sert à vérifier si les produits respectent bien le cahier des charges des clients. Alors non, on ne contrôle pas toutes les pièces, on applique seulement les règles de la norme ISO 28059. Par exemple, sur 500 pièces, on en prend 32 et si tout est conforme, on expédie. Oui, évidemment, nous suivons la norme 28059 dont on a parlé juste avant, ainsi que la norme 9001. Donc non, le contrôle est différent suivant le type de pays, catégorie 1 pour les risques mineurs, catégorie 2 pour les risques majeurs et catégorie 3 pour les risques mortels. Évidemment, le contrôle qualité est primordial sur un EPI de catégorie 3. En cas de non-conformité, les vêtements sont repris et réparés soit ici, soit dans nos usines de production. Le contrôle qualité s'effectue jusqu'à l'expédition des colis. Pour preuve, le contrôle qualité s'effectue dans l'entrepôt de conditionnement central de Sioun à Moucron. Ici, c'est plus de 10 000 m² de stockage où transitent plus de 150 000 produits en moyenne par mois. Entièrement repensé depuis 2 ans, cet immense magasin ne cesse de se moderniser afin de faciliter le travail des opérateurs. Comme avec cette machine qui va chercher le produit dans le rack directement, se charge de créer un emballage sur mesure et de l'étiqueter afin qu'il soit prêt pour l'expédition. Tu veux en savoir plus sur Sioun Fire? Alors surtout n'hésite pas à t'abonner, liker et partager les vidéos.